Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Ergus Phoenix et on se retrouve pour ce 60e épisode de Tales of Berseria. Alors à l'épisode précédent, on a continué à traverser les marais pour se diriger vers Oscar, mais le trajet est assez long. Même si j'ai quand même de mauvais pressentiments. 敵陣に乗り込む前に作戦を確認しておくわ。はい。私たちはあんたを人質にして、オスカーの武装と精霊を解除させる。オスカーを拘束して、クーマを回収した後、港まで撤退。クーマを船に乗せ、出港準備が整った時点で、あんたを解放する。あとは好きにしなさい。結構。ですが一つだけ約束してください。 決してオスカーを傷つけないと。それはオスカーの出方次第よ。約束はできない。ベルベット、私からも頼みます。テレサの願いを。オスカーを助けたいなら、テレサ、あんたが死ぬ気で説得しなさい。弟を守るの、姉の役目なんだから。ええ。必ず守ります。 Le mob, non. Hello, je vais juste briser ça pour avoir une sortie. Et donc, ah, c'est bloqué. Je m'en doutais. Ce n'est point grave. Avec la géoplanche, tout est possible. Bon, je me pose la question. Ouais. Je vais essayer d'abord d'ouvrir l'autre. Juste pour voir... Enfin, celui du feu. Pour voir où ça mène. Et après, celui de la terre. Le coffre, un sablier, pourquoi pas. Alors, où est-ce que ça mène? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah j'ai bien fait de passer par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout? Des âmes de minute. C'est pas plus mal, hein. Ah, il y a un autre coffre. Vieux prospectus. Voilà, on y récolte. Comme ça, ça nous fait beaucoup d'âmes de minute pour plus tard. Et... on retourne là où on était. Donc je vais fermer l'autre. Je pense qu'il m'a bloqué le chemin. Oula, chaque fois je me fais avoir par ça.
Et j'ouvre celui-là. Ah oui, il y en a deux pour le prix d'un, quoi. Si on n'avait pas fait ça, bien sûr. Hello, qu'est-ce qui nous attend ? まもなく地脈店のはずです。手はずは分かっていますね。あんたを人質にしてオスカーを抑える。妙な動きはしないことね。 Bon. Je vais devoir faire ça. こらえられない。円が超優脚。左も。砲撃。鎧の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 。
ce qui sera un atout très précieux dans Zestiria. Et attendez, elle vient pas faire un nouveau truc là? Avec de Cerber, je l'ai pas attribué ce truc. Ça m'étonne de moi. Ah oui, je l'avais pas attribué. C'est étonnant. Bon ben, je vais le mettre. Hein. Où est-ce que je vais mettre ça? Ah non, je l'avais déjà mis. Ça se voit que ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Hein. Oh là. Je vais récupérer ça, moi. Je sais pas pourquoi ce combat va être extrêmement long. C'est quand que vous utilisez vos deuxième arc mystique? Non mais non. C'est de l'arnaque. Oula. Elle est où? Voilà. Comme ça, tu resteras un peu tranquille. Je me demande quand est-ce que je vais pouvoir faire un arc mystique, hein. Non. Velvet, soigne-toi. Alors, d'accord.
Et j'ai pas de chance. Ah ouais, en gros, elle devient dangereuse à partir de ce moment-là. Et mince. Ouh là là, ça va me saouler. C'est vrai que j'ai un ventile pour me protéger de ce genre de conneries. Mais si elle arrêtait de bouger aussi. Ouh là là, je suis extrêmement concentré. Bon, ok. Ah. Fini, je crois.
負けるわけには。テレサ様。これ以上抵抗するなら手足を食いちぎっておとなしくさせる。 もういいのです、姉上。見ないで、こんな醜い姿。ドラゴニアの家では、父上も母上も、跡継ぎである兄しか見ていなかった。でも、あなただけは、ずっと僕を見てくれた。案じて、励まして、 微笑んでくれた。ずっとありがとう、姉上。オスカ。ここで見ていてください。あなたが見守ってくれれば、僕は 世界を滅ぼす魔王にだって勝てる。 見せてやる、 我がカムイを。 いざ参る。 Ah non! Non, 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 ça va être tellement chiant! Oh non! Donc c'est de ça que je parlais, hein, l'armatisation. Et là, c'est l'armatisation du vent. Et donc c'est assez dangereux en tout cas. Donc là j'ai pris Eisen parce que il pourra ressusciter. Oscar, tu peux te calmer s'il te plaît. Voilà, Oscar, tu te calmes. Putain, Jack. Non, calme-toi, Oscar. Hein. Oula. Ce combat, c'est un combat d'FPS. Bon, là, je suis obligé de me protéger, puisque connaissant l'armatisation, c'est assez dangereux. Oula. Alors, je vais me soigner quand même. Ouais, je peux même pas. Oula, c'est moi qui poursuis. What? Je vais laisser Eisen me ressusciter quand même. Voilà. Hop.
Je m'attendais pas à deux combats en même temps en fait. Ah dommage, il y en avait un autre là-bas, je l'avais pas vu. Si t'arrêtais de te protéger. Oh oh. Alors je sens gros comme une maison qui va me faire un arc mystique et je vais pas aimer. Je vais les récupérer. D'accord, je rate. Oulala. Je l'attends ton arc mystique, hein, parce que je le sens gros comme une maison. Bon. Ah là là. J'avoue, on a un peu déconné sur la fin. Alors comme là, ça va être compliqué. Je vais mettre Eizen. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça, je vais l'enlever. Je vais lui mettre ça. Ça c'est bon. On va mettre ça. Retour. Si jamais on n'y arrive pas, je ferai une session off où je m'entraînerai et on pourrait faire le combat comme si de rien n'était. <t'en>
Voilà. Oh oh. Oh, j'ai fait quoi là? J'ai fait une bêtise, hein. Allez, vas-y, AJ. Pourquoi tu fais Aizen? Laisse-le tranquille. Mais... Allez, vas-y. J'ai quand même soigné. Ah, j'en ai plus. Ah, je pars vraiment avec un mauvais avantage quand même. Je pense que ça va être compliqué, hein. Bon ben, je fais une dernière tentative. J'accélère là-bas, hein. Ça va être compliqué, ça. Ah, c'est les deux combats qui me gênent, en fait. Ça semble que je vais devoir faire du off, hein, pour ces deux combats d'assuffilés en fait.
Je vais me soigner. Donc tu te calmes là. Tu te calmes s'il te plaît. Ah, flûte. Ah là 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 là, c'est vraiment compliqué. Hein. Je pensais pas que y aurait deux combats d'affilée. Il faut dire que le premier on avait presque réussi, il était à la moitié de sa vie quand même. What? Oulala. Tu te calmes, Oscar, tu te calmes, hein. シソ宣言。甘いな。させるか。シルジオ。シソ宣言。チャプロー。甘いな。カイに持たせて。させるか。シルジオ。カットエイド。シソ宣言。行かないぞ。ホーガチュー。カゲスバル。
Tu restes ici, Oscar. Oh punaise. Et je crois que ça va vraiment être du off que je vais faire, hein. Mais beaucoup. Bon ben, ça va être du off. Le deuxième combat m'a surpris en fait, donc je m'attendais pas à me faire battre comme ça. Donc ça va faire comme l'épisode où on affrontait Eleonore. Je vais faire du off et je vais réussir derrière. Ah non, c'est bon. Je me disais aussi que j'allais me faire avoir avec ça. Oula. Oulala. Allez, on essaye d'aller un peu plus loin que la moitié cette fois-ci. Au moins de terminer. Il est où ? Ah mince. Ah mince, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je suis à côté, c'est ça le pire. Ouais. Dur. Je pense qu'il va pas laisser. あ、
On va tester un truc. What? Bon. Alors, comment je vais faire pour mettre fin à ça? Au moins, on est allé à plus de la moitié du combat. Ok. Ah, à moins que j'essaye de m'immuniser contre les attaques de vent, ça pourrait marcher. Parce que là, je vois qu'il fait du 1 contre eux. Et moi, je me mange tout, quoi. Allez. Ok, bon bah vas-y. J'attends, hein. Bon, je suis obligé d'attendre. Voilà. Ouais, ça va être compliqué ce combat-là. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Hein. Cette fois-ci, je me serai entraîné. Et j'aurai récupéré des fioles. Bracelet de Dysplastia. Ah non, c'est Vesperia, ça. Mais on le lira au prochain épisode, si j'oublie pas. Donc c'était un... Le premier combat contre Teresa est intéressant, mais le deuxième combat contre Oscar m'a un peu surpris. Je pensais qu'on aurait eu un peu de répit, et ben non, je me fourre le doigt dans l'œil. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Twitter. Et donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode où, sérieusement, on va prendre notre revanche contre Oscar, principalement. Teresa, on n'a pas eu de problème, mais Oscar, oui. Donc, principalement Oscar. Donc peut-être qu'au prochain épisode, on va sauter la cinématique ou je la laisserai pour qu'on la revisionne une deuxième fois. Donc c'était Tsuzaku d'Argus Phoenix, je vous dis portez-vous bien et Janemina.